En Centrafrique, la coalition de l'opposition COD 2020 a annoncé son retrait du dialogue national que le pouvoir compte organiser d'ici la fin de l'année. L'information émane d'un communiqué de ladite coalition rendu public le 30 octobre 2021. Le motif de ce retrait est que le gouvernement centrafricain a relancé une procédure pour la levée de l'immunité parlementaire de certains députés de l'opposition, notamment Aurélien Simplice Zingas, Martin Zigele et Anissé Georges Dologue. Il y a quelques jours, il y a une note de service de l'Assemblée nationale qui demande l'examen de la levée de notre immunité parlementaire à moi-même, Martin Zigele, à Nissé Georges Dologuele et à Simplice Zingas, qui sont par ailleurs les responsables des principaux partis de l'opposition. Nous n'avons pas compris cela. C'est une histoire qui dure depuis le mois de janvier et qui ressort de temps en temps. Et on a l'impression qu'il y a vraiment une volonté de ne pas favoriser le retour à la paix et à la concorde nationale. La levée de l'immunité parlementaire de ces députés s'inscrit dans le cadre de la poursuite judiciaire visant notamment l'ancien président François Bozizé, accusé d'avoir coordonné une rébellion dans laquelle il serait impliqué. En mars 2021, l'ex-président s'était déclaré comme le coordonnateur de la coalition des patriotes pour le changement CPC. Nouvelle alliance rebelle ayant lancé des attaques coordonnées sur le territoire centrafricain dans le but ultime de renverser le régime actuel. Touadéra fera le pyromane pompier s'il laisse s'ouvrir d'autres brèches de contestation, des poches de frustration, en même temps qu'il prône un dialogue inclusif. S'il veut arriver vraiment à des résultats probants, il faut qu'il fasse table rase. Et cette question de trouble à l'ordre public, je me souviens que Martin Zigele, qui est une figure politique importante dans ce pays, avait plutôt appelé au calme. Les trois autres personnalités ont du monde derrière eux. Ça, c'est clair que ça va faire des frustrés alors qu'on ne peut pas faire la paix et faire des frustrés. Alors que le comité préparatoire a récemment dévoilé les grandes lignes du dialogue républicain, le futur dialogue républicain qui se veut inclusif fait déjà face à ses premières divisions. Pour rappel, le chef de l'État centrafricain avait émis sa volonté de privilégier le dialogue dans le règlement de la crise qui secoue le pays. Il avait à cet effet décrété un cessez-le-feu unilatéral et immédiat sur l'ensemble du territoire le 15 octobre dernier, dont le bilan s'avérait déjà positif.